Allez, c'est parti, let's go. Comment lui et le staff ont analysé avec le recul le match contre Marseille? How did you analyze the game against Marseille, the loss, with the staff? Yeah, it was a tough game. Marseille is a good team. I think one of the best in the league. It caused us a lot of problems, but now it's time to move on. We got a game against Lille this weekend. Oui, c'était un match difficile. Marseille nous a posé des problèmes. Ils ont certainement un des plus beaux effectifs de ce championnat. Maintenant, il faut passer à autre chose. On a un autre match qui arrive face à Lille et on a déjà la tête sur cette rencontre. Un accident, c'est comme ça que c'est analysé, ou il y a quand même des leçons assez importantes à tirer de ce match? Was it just an accident in the game against Marseille, or do you have lessons to learn about the result? Yeah, I think there's a lot to learn from every game. This last game, they did a good job of just keeping the ball. They had more of the ball than us, and then I think when they had their opportunities, they took some opportunities off a set piece, and then right after the half, I think we came out with a little less concentration than we should have, and they took advantage of those opportunities. I think we hurt ourselves. Oui, il y a beaucoup à apprendre de ce match, mais aussi des autres rencontres que nous allons jouer cette saison. Ils ont su garder le ballon, avoir la possession pendant la rencontre, et forcément, ils se sont créés des opportunités. Je pense qu'en début de seconde période, nous sommes revenus dans le match avec peut-être un manque de concentration, ce qui nous a causé ce second but. Mais ouais, il y a beaucoup à apprendre de ce match. Est-ce qu'il a regardé le match contre Lille? Et si oui, qu'est-ce qu'il en tire pour adapter son jeu pour le match qui vient? Have you watched the game against Lille in Coupe de France? Mm-hmm. And how is your analyse and what can you adapt for this weekend? Yeah, of course I watched the game. It was, you can see Lille is a good team that has a system of play that they want to execute every game. So I think what I took away from it is that we have to come ready to fight and to win. I think they have good fans as well, a good atmosphere. And it's like every game in Ligue 1 is going to be a battle. So we have to go out there and fight. It's not going to be easy no matter what team we play. So. Bien sûr, j'ai regardé cette rencontre. C'est une belle équipe qui joue bien au ballon. On va aller à Lille pour se battre. Chaque match sera une bataille et ça commencera dès ce week-end. Donc, on va y aller avec des meilleures intentions possibles. Depuis la reprise, tu évolues dans une défense à 4. Qu'est-ce que ça change fondamentalement pour toi? You're playing with a back four. Yeah. What does it change for you compared to the first half of the season? It's different, but I've played in a back four before. I think everyone in our group can adapt well to this new system, but it changes for the center half, so now there's one less on the pitch, and you move more as a unit. Instead of one can step up and go more attacking, even though we still send our wingbacks high, it's more defensive. You have to think more defensively for those players, especially. I think for my position, it doesn't really change much. C'est sûr, c'est différent, mais j'ai déjà évolué dans une défense à 4. Chacun peut s'adapter à ce système, je pense. On est tous capables de s'adapter à ce nouveau système. Dans notre style de jeu, c'est différent car on doit faire des déplacements en bloc plutôt que d'avoir un joueur qui va sortir sur l'adversaire. Et il faut penser de manière plus défensive, notamment pour les latéraux qui jouent de manière plus défensive qu'auparavant quand ils étaient au poste de piston. Justement, que le nouvel entraîneur qui demande de pressing un peu plus haut, de jouer plus haut, est-ce que dans la gestion notamment de la profondeur, il faut être d'autant plus vigilant? Piquet, ask the team to move forward, mm-hmm. to press very high. Is it complicated for you to manage with the balls in your back? No, I think it's what the coach asks, so it's something we have to do. I think for me and Yo and Jackson and Adil, we're all athletic enough to cover this space in behind and use our athletic abilities to be able to, when we're pressing as a unit, to be aware of this ball in behind.
Oui, c'est ce que le coach demande, que l'équipe joue beaucoup plus haut, presse plus haut. Je pense qu'avec les qualités des défenseurs de notre effectif, on est capable, notamment de notre manière athlétique, de répondre à la demande et de gérer les ballons qui seront dans notre dos. Il faut que l'on s'adapte, mais chacun dans notre effectif, dans notre défense notamment, a les qualités pour le faire. Il y a du RS en convocation à la Coupe du Monde, et pour le moment, ça a dû être une grosse déception. We imagine that it was a tough decision for you to not go to the World Cup. How do you feel now after this? Yeah, it was really tough, I think, in the moment. I definitely didn't want to come back after the break watching all the games, but this is life. Yeah, I think there's a bunch of ups and downs, and now I've moved on. It's the World Cup's over. I'm past that. I've been playing games, and new coach, new system. It's been a lot to learn, and also there's a lot of things in life to be thankful for, like other than football. So it's done now, and I'm sure everyone in the press has seen the stuff going on with U.S. soccer. So it's right now it's just a breath of fresh air to be just playing football. Oui, c'était très difficile de ne pas participer à cette Coupe du Monde. J'ai notamment du mal même à regarder les rencontres. Maintenant qu'elle est terminée, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des hauts et des bas dans la vie. Mais aujourd'hui, je suis content de rejouer au football. On a un nouveau coach, on travaille avec un système différent. Et il y a d'autres choses qui sont aussi plus importantes que le football dans la vie. Mais voilà, je suis content aujourd'hui de retrouver les terrains et je me sens mieux. À ce sujet, est-ce qu'il a eu des explications pourquoi il n'a pas été convoqué Did you have any explanation on your non-selection for the World Cup, and do you project yourself to be there for the next one? That's my goal, to be there for the next one. I had an explanation. The coach called. It was a difficult conversation. I didn't say much. I just listened to what he had to say, and then hung up the phone. Obviously, I think it's tough for all the players that didn't get called in. But for me, it was just listening and then saying goodbye and then trying to move on. Like that, those first couple of days and weeks after not getting called in was just, it was tough. It was really difficult. Oui, bien sûr, c'est mon objectif de participer à la prochaine Coupe du Monde. J'ai eu un appel avec le sélectionneur et c'était une conversation qui était très difficile. D'ailleurs, je me suis contenté d'écouter ses propos. J'ai répondu à certains d'entre eux, mais de manière très brève. Forcément, c'était une conversation difficile pour moi, donc c'était un moment compliqué. C'est maintenant un an qu'il est titulaire à part entière à l'Estac. Comment il se sent et est-ce qu'il a tendance à passer un cap de CTD en Serbie 9-3. Il va commencer dans cette équipe. Oui, plus d'un an maintenant. Do you think that you can manage to continue to grow and even maybe departure for another big club? What do you think? Do you have in mind? Yeah, that's my goal, is to keep playing every game, be as healthy. That's my biggest goal, is to stay healthy. I want to be as healthy as I can be, but obviously I have dreams and goals to play in Europa League and Champions League and the big competitions. And that doesn't change with Troyes. Right? I want to win games. I want to stay up in Ligue 1 and just keep moving towards my goals as well and the team's goals. Bien sûr, j'ai pour objectif d'être titulaire à chaque rencontre. Le principal pour moi est aussi de me maintenir en forme. J'espère durer comme cela dans le temps. J'ai aussi un rêve, c'est d'évoluer en Ligue des Champions un jour peut-être. Mais aujourd'hui, je suis concentré sur les objectifs avec Troyes, avec le club, et de manière à ce qu'on atteigne nos objectifs en équipe. Voilà un peu de la collaboration avec Johan Sermier, qui sont les deux titulaires à l'heure actuelle. Can we talk about your relation with Johan Sermier, because he's a starter with you, and central defense? Yo is a good guy, good friend. Since I've come to the club, someone that has always spoken with me, speaks good English, so the relationship is really good. I think the relationship with
a lot of my teammates is really good, but with Yo, it's obviously, since we play together in the same positions, it's been really good and we've always been good together. Yo est une super personne, c'est devenu un très bon ami. Il parle bien anglais, donc on a eu une excellente relation. J'ai une très bonne relation avec les autres coéquipiers de l'ESTAC, mais en particulier avec lui, car on évolue au même poste et on échange souvent. Est-ce que lui parle un petit peu plus français? Is your French better? I can understand a little, but speaking, no, it's not. Je peux comprendre un petit peu le français, mais pour le parler, c'est encore compliqué. Juste la question sur la sélection, il y avait une petite polémique après avec le coach des États-Unis. Est-ce qu'il a un avis sur cette affaire? That's the question about the selection. Mm-hmm. They had the affair with the coach, with the polémique they had on media. What you talked about? After the World Cup, what's going on? Yeah, what's going on with the coach? Yeah, do you have something to say? No, I'm the same as you, like, guys I saw in the media, and what I know is the same thing everyone else knows. I don't know too much. I don't ask too much. I don't, like, it's none of my business. I just think. Je l'ai vu comme vous sur les médias. J'ai entendu parler de cette affaire, mais ce n'est pas mon cas personnel, ça ne me regarde pas vraiment, donc je ne vais pas faire de commentaires particuliers sur cette affaire. Merci. 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 Merci.
comment ont été utilisés les 3 jours entre les deux matchs et quel programme avant la récupération, j'imagine. What was the problem between these games? We had a recovery, we had to work. It was like this, you know, we played obviously a cup game, made some changes, then we had to recover, we had to train, we had to play, we had to recover, we had to train, and now we have a game on Sunday. This is our job and this is what we have to deal with. Oui, c'est vrai qu'on a eu ces 3 matchs dans la même semaine. Après le match de coupe, nous sommes reposés, puis entraînés, puis de nouveau du repos, de l'entraînement. On doit gérer avec ces temps de récupération et ces courtes journées pour récupérer. Il y a 3 joueurs qui n'étaient pas dans le groupe contre Marseille, Odobert, Palaversa et Agoumé. Est-ce qu'ils vont mieux? Est-ce qu'ils seront là contre Lille? Odobert, why did Palaversa and Agoumé, why not in the group to face Marseille? Are they better now, or do you think they might be in the group this weekend? Ante and Agoumé, no. When they will be back, it won't be long, but it's not now. But they're improving with their injuries. Pour Ante Palaversa et Lucien Agoumé, non, ils ne seront pas dans le groupe. Ce ne sera pas long leur temps d'absence, mais ils reviennent progressivement, donc ils ne seront pas dans le groupe ce week-end. And Wilson trained today, so he's available for selection. Wilson s'est entraîné aujourd'hui et il est donc à ma disposition pour ce week-end. Et il n'y a pas de nouveaux blessés? You have new injured players? We have Tristan, but we give him every possible chance to be fit, but it's sometimes touch and go. We know but he's improving at the moment, so yeah, we wait till the last minute to see, you know, if he can be available. Il y a encore un doute sur Tristan Dingomé, mais on lui donne toutes les chances, toutes les possibilités pour qu'il soit disponible ce week-end. Il va mieux, il récupère bien, mais on attendra le dernier moment pour savoir s'il fera partie du groupe ou non. Sur les matchs de championnat, il y a eu qu'un seul changement dans l'équipe titulaire. Est-ce que c'est pour favoriser la prise de repère de son équipe? Your 3 games in league, you made only one sub in your starter team. Is it to make them comfortable about the composition? Yes. I've only played. We've only had 3 games, so it's again. It's trying to have stability as much as we can in the team to progress. I'm not a coach that likes to always change, but I will reward players for training well and playing well as well. So it's trying to create stability and improve at the same time, and also give a chance to a player if they deserve it. Oui, c'est vrai que j'ai disputé que 3 rencontres en championnat depuis que je suis arrivé. Ce que je recherche, c'est de la stabilité dans mon 11 de départ, mais notamment de la progression au cœur de mon équipe. Je ne suis pas un coach qui adore faire de nombreux changements à chaque rencontre. Et par contre, je saurais récompenser les joueurs qui s'entraînent bien, qui montrent des choses à l'entraînement. Je n'hésiterai pas à les mettre sur le terrain si j'en juge que cela est nécessaire. Et dans le cas contraire, ceux qui ne s'entraînent pas bien, qui ne jouent pas bien. If the player doesn't work, if the effort doesn't look good, you can finish them by not make them start. It depends. It's not a punishment. If I change a player, it's not a punishment. It's maybe I see something different to help the team in a game.
Cela dépendra. Si je change un joueur dans mon 11 de départ, ce ne sera pas forcément une punition pour lui, mais c'est parce que j'aurais peut-être vu quelque chose qui pourrait aider l'équipe à faire une meilleure performance sur un match ou un autre. Donc cela dépendra. Dans le cas de Marseille, justement, est-ce qu'il a vu des choses, franchement, à changer? Parce que le reste, c'est pas terrible. The game against Marseille was not that good for the team. You see some improvements we can do for the next game. And what can you change after this performance? Of course, it's, you know, the team doesn't go out to play bad. It sometimes happens in a game. It is football. The players are human. They're not robots. So we must understand this. Okay. Bien sûr, il y aura des choses à corriger, mais vous savez, quand l'équipe arrive sur le terrain, elle ne vient pas pour faire une mauvaise performance ou pour ne pas avoir le ballon. Les joueurs sont des humains avant tout et non pas des robots. But we can always improve. After a game, we can always improve what we have to do. Après chaque match, on est capable et on peut s'améliorer après chaque rencontre, que ce soit celui de Marseille ou un autre. We have to see what the best thing is for the team going into the next game. Nous allons devoir regarder ce qui sera le meilleur pour l'équipe lors de la prochaine rencontre, et notamment celle qui va arriver face à Lille. En coupe, il avait évoqué l'effectif qui n'était pas très profond en quantité. Il a aussi fait peu de changements là contre Marseille. Est-ce que c'est un problème d'avoir finalement avoir peu de solutions pour des fois aussi inverser le cours d'un match? After the game against Lille in Coupe de France, you have talked about the depth of your team. Is it kind of problem for you because you can't make that much changes? Yeah, it's. Listen, it's what we have, you know, and I trust in the players that we have. You know, I can't, the situation isn't going to change. So I believe in the players. It doesn't matter how old they are. I get confidence and I give faith into whatever player that comes into the team. Vous savez, c'est l'effectif que l'on a et celui qui est aujourd'hui. Peu importe l'âge de mes joueurs, je leur accorde une grande confiance. Et peut-être, je ne sais pas si cela changera du jour au lendemain, vous vous en doutez bien. Mais en tout cas, je fais énormément confiance à mon effectif et aux joueurs que j'ai à ma disposition aujourd'hui. Est-ce qu'il remarque que certains joueurs ont plus de mal à comprendre et à mettre en place sa philosophie de jeu, son style de jeu? To adapt to what you ask? This is football. It's new. This is new for the playing group. But my job is to improve them at training every day. And that is it. And they have come a long way from where we started to now. So I'm happy with the progression. Can things get better? Yes. Can things improve? Yes. But they're trying, and again, like I've always said, it will be a slow process. You know, Rome wasn't built in a day. You know, we must understand this. But I'm happy with the way things are progressing so far. C'est le football, c'est normal pour un groupe qui doit s'adapter à de nouvelles consignes, que cela prenne du temps. De là où on a commencé le travail à où on est aujourd'hui, en peu de temps, je suis déjà vraiment heureux des efforts qui ont été faits, de l'implication du groupe entier, et je suis content avec la progression. Si on peut être meilleur, je vous dirais que oui, et si on doit encore progresser, je vous dirais également que oui. Est-ce que le match de coupe est une bonne base de travail pour préparer ce match, où les changements étaient tellement nombreux que je ne vais pas s'appuyer dessus? C'est un bon start to play in French game. Before to maybe manage to do something this weekend, or was it completely different because you played with a squad, some young players? So can you use the game against Lille in Cup for this weekend, or is it completely different because you played with young players? Oh, okay, I understand. I think you have to treat the game on its merit, and a game is a game. Whether it's a cup game or a league game,
but we can look at a few things for us to improve, to help us into obviously Sunday's game, and that's what we learned, some things to improve on and to get better at. Je pense que on peut tirer des leçons de chaque rencontre, et notamment de celui qui est passé en coupe, même si l'équipe n'était pas la même. Ça peut être un point de départ pour nous aider et pour améliorer, pour progresser sur certains aspects pour le match de ce week-end. L'équipe avait eu du mal notamment à tenir le ballon contre Marseille. Est-ce que pour améliorer ce point, est-ce que Tardieu peut être une solution comme il l'a été en fin de match contre Marseille? The team had some struggle to keep the ball against Marseille. Is Tardieu can be one of the solution in the midfield? Possibly. We have one more day of training. And we will think about it, because I thought when Tardieu came on the pitch, we were able to keep the ball a bit more, and that is Tadju's strength. But it is an option that we have. It could be a possibility, but we need to see how everything is first. Yes. Probablement, il nous reste encore un jour d'entraînement, et c'est une chose à laquelle on avait pensé quand Florian Tardieu est entré en jeu face à Marseille. C'est vrai qu'on avait plus de facilité à créer du jeu, à tenir le ballon, et c'est aussi l'une de ses capacités. Il est une option pour la rencontre ce week-end, donc on va y réfléchir. On a encore ce jour d'entraînement à venir, puis on prendra la bonne décision au bon moment. À Melbourne, il alternait entre le même système, mais avec un meneur, enfin la pointe haute ou la pointe basse, je ne sais pas comment tu peux le traduire, mais le meneur ou le récupère, la sentinelle, comme on dit en France. Est-ce qu'il envisage aussi cette option à 3? Il était en Melbourne comme coach. Tu as fait des changements dans ton midfield, comme tu as joué avec 1. Et maintenant, peut-être que c'est un peu différent et un peu plus offensif. Est-ce que tu vas peut-être utiliser ça aussi? In the midfield, with the one who is close to the central defense. Yes, I understand. Like I said, progression takes time. Okay, stuff like this takes time. So, at the moment, I need to see if you can change. But for now, I will keep it with. Like that, I will keep it the same. Vous savez, les choix comme celui-ci peuvent parfois prendre du temps. Donc pour le moment, je vais m'appuyer sur ce que j'ai fait ici depuis le début de saison, et après on verra si le système évolue. Mais pour le moment, ça sera une pointe haute comme on l'a vu qui débutera. Pour revenir sur le match contre Lille, s'il peut s'en servir. Est-ce que le fait que lui ait beaucoup fait tourner et que Lille aura sûrement une composition plus semblable que celle qui a paru en Coupe de France peut lui servir, parce qu'ils n'ont pas pu l'observer, ils n'ont pas pu observer l'équipe de l'Estac, mais lui a pu les observer dans leur jeu. Could have watched Lille game in Cup because they played with real starters in their team, but you, we play maybe with younger players. Is it kind of advantage for you because they can't manage to? To see how you're going to play this weekend, because they don't really see the team. For me, it's concentrating on us and what we have to do. So when I watch the last game, I look at us and how we can improve. That's the way I look at it. Je me concentre principalement sur mon équipe déjà, et ce que l'on met en place, ce que l'on tente mettre en place. Donc ce n'est pas un aspect auquel vraiment j'ai pensé ou que j'évoquerai en tout cas. Est-ce qu'il pense qu'il pourrait avoir un ascendant dans la fraîcheur physique que Lille a enchaîné aussi, mais avec moins de rotation? You think our squad can be fresh physically because some of the players don't play the three games in a row, and maybe in Lille they have all played this. You know, I think the way I see things, you know, I think I want to be a physical team. I want, you know, to improve this. Maybe they might be fresh. I don't know. You know, for me, it's are we able to play at maximum in whatever game we play in? So. There's been a little break, a little rest,
between games. But this is modern day football. You know, players have to be ready to play multiple games per week due to the World Cup scheduling. I had to do this in Melbourne. We had to do it in COVID. It's the adaptation of our players that it's part of what we have to do. Yeah. Oui, en tout cas, moi, ce que je souhaite de mon équipe, c'est qu'elle soit vraiment capable de répéter les efforts, que les joueurs sachent que les matchs vont s'enchaîner, notamment avec ce calendrier qui a été décalé suite à la Coupe du Monde. En tout cas, moi, ce que je demande, c'est que les joueurs se tiennent prêts à enchaîner des rencontres et qu'ils soient capables de vraiment répéter ces efforts, car c'est ce qui va se passer. On va enchaîner les matchs jusqu'à la fin de saison, donc ça va être important que cet aspect-là soit maîtrisé. Est-ce que le fait justement qu'il n'y ait pas de match le week-end prochain, ça a un impact sur la préparation du match contre Lille qui ne joue pas le week-end d'après? There's no game on the next weekend. Is it possible to be like we prepare the game against Lille differently because there's no game next week? No, we will prepare the same. Next week is next week, but we need to focus on this week now. Non, on ne va pas vraiment s'attarder sur la semaine prochaine où il n'y a pas de rencontre. On va préparer le match de Lille comme on doit le préparer et se concentrer sur cette rencontre qui de dimanche. Oui, dernière question. On a vu contre Marseille parler avec Honoré Far longtemps pendant un arrêt de jeu. Est-ce que j'ai eu l'impression à l'extérieur qu'il n'arrivait pas trop à comprendre Renaud ce que lui demandait Patrick. Est-ce que la barrière de la langue avec certains joueurs peut être un problème? Parce que des fois, il faut être très précis sur la traduction, c'est pas comme là où c'est des générales. We saw you talking a lot with Renaud Ripard during the game against Marseille when there was a break, when Salmi was down with and sometimes maybe we saw that Renaud had some difficulties or some struggle to understand what you say. It is what they saw. Yeah. And is it hard for you with the language to give no. information? No. I use little French words so they understand a little. And Rono, he speaks English. Mm-hmm. He understands English. Yes. So it's with him, in your instance, it's very easy to speak to him because he understands English. Non, je n'ai aucune difficulté à échanger avec Renaud. J'utilisais déjà quelques mots de français, notamment quand je donne des consignes, ça m'arrive d'utiliser des mots de français déjà. Et puis en plus de cela, Renaud comprend très bien l'anglais, donc je n'ai aucune difficulté à lui faire passer mes consignes. Mais de manière générale, je ne parle pas que pour Renaud, mais parce que sur des points très tactiques, il faut être très précis. In general, with the tactical aspect, is it can it be a struggle sometimes to explain to the players who don't really understand? Maybe, but the more repetition we can do outside, the better they understand. And maybe my communication will also improve as we have time to do this. But again, I'm trying to learn as much French as possible and trying to teach on the pitch as much. So. For now, it can work. Yes. Oui, peut-être que parfois ça peut être un petit peu compliqué, mais plus on va avoir d'entraînement, plus on va répéter les mêmes formes, les mêmes schémas tactiques, et meilleur on sera. Il y a aussi mon niveau d'anglais, de français, pardon, qui va nettement s'améliorer. En tout cas, je me donne, je fais les efforts nécessaires pour parler français du mieux possible et au plus vite. And I show them on a video, so I work with them. Every day on film to show them, so it's more repetition if we, you know, so it's outside. So il y a aussi beaucoup de travail en vidéo avec mon effectif, donc je leur montre des choses sur un écran à répétition, donc cela facilite aussi la compréhension des consignes. Et le bruit dans le stade, parce que je ne sais pas si à Melbourne en Australie c'était vraiment le cas, pour transmettre les consignes pendant le match, là c'était très bruyant contre Marseille, ce qui est gêné. It was very noisy. Against Marseille, yeah. In the stadium, was it difficult for you to teach the players to give them instructions because of the noise? It's sometimes I ask someone to tell him, so maybe on the other side of the pitch. But this is football,
You know, sometimes there will be a lot of noise, sometimes they can hear. You know, it's the my adaptation to the crowd and what I have to do to get a message across, you know. But I always try and do as much as a lot before the game, so it's easier for the players to understand. Oui, c'est vrai qu'il y avait du bruit, mais j'ai pas eu de difficulté à me faire comprendre. Parfois, j'utilisais un joueur pour faire passer un message pour qu'il prenne le relais et la consigne. Et vous savez, on va devoir s'adapter. Parfois, il y aura du bruit dans les stades et parfois, ce sera plutôt calme. Donc, moi, ce que j'essaye de faire, en tout cas avant le match, c'est de donner le plus de consignes possible. Comme ça, sur le terrain, c'est plus facile ensuite. Merci. Thank you. Merci. Merci. Merci.